magazine Challenge et présent au Salon du Ciel à Paris. Nous sommes avec le EACCE, Monsieur Etmen Michbel, chef de département promotion. D'abord, le Ciel, c'est l'un des premiers événements internationaux sur le plan agroalimentaire. C'est une messe mondiale où tous les opérateurs de l'agroalimentaire se rencontrent. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est la France. C'est notre marché traditionnel où le Maroc est présent en force. Il y a le rapprochement de culture. Et puis, les entreprises marocaines ont une bonne part de marché sur la France et ils veulent consolider cette position et par l'occasion s'ouvrir sur de nouveaux importateurs et acheteurs d'autres horizons. D'accord. Quel est l'objectif de cette participation marocaine ? L'objectif, c'est d'abord consolider la position de l'offre Maroc sur le marché européen, mais également de communiquer sur les nouveautés présentées par les entreprises marocaines en matière d'innovation, en matière de diversification et de qualité, d'authenticité et de pouvoir conquérir de nouvelles parts de marché sur le Moyen-Orient, sur l'Asie et sur l'Amérique du Nord. Nous sommes avec Amal Tajdin du groupe Savola. Nous, on est filiale de Savola Group, qui est un très grand groupe du Moyen-Orient, donc une grosse société cotée en bourse en Arabie Saoudite, qui est donc le premier opérateur mondial d'huile de table. Et on est très actif dans tout ce qui est huile de table, donc végétale, à base de soja, à base de tournesol, de maïs, avec des marques très connues comme Afia. Et là, cette année, on vient de lancer l'huile d'olive. Et c'est ce pourquoi on est au Ciel, parce qu'on veut promouvoir notre produit à l'export et participer à l'effort marocain, donc du Maroc en entier, dans la promotion donc, du produit marocain à l'exportation. Quelles sont vos attentes lors de ce Ciel ? C'est rencontrer des opérateurs, donc des clients potentiels surtout, donc sur l'huile d'olive et éventuellement sur les autres produits. On vise les marchés ethniques, on vise l'huile d'olive en général. Et si on peut aussi pousser tous nos autres produits, ça serait bien.